Pendant le festin d'Isola, il y a eu des cours de danse traditionnelle. C'est le couple Kirin qui explique comment il faut danser. Nous commençons par une polka piquée de Nice. C'est quoi comme danse? Le cabiqué de Nice. On passe au rigodon. Toutes ces danses traditionnelles reviennent beaucoup à la mode. Thank you.
On termine avec une chapeloise, c'est un petit peu compliqué. On fait 4 pas, on se retourne, on recule de 4 pas, ensuite on avance de 4 pas, on se rapproche, on change de partenaire et on recommence, si j'ai bien tout compris. Avant de changer de partenaire, on fait un petit pas de danse, comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà. On récapitule. C'est parti, j'espère que tout le monde a bien compris.